Bonjour, jeudi 14 janvier 2021. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette. Pour une synergie d'action face au régime Talon, les forces de l'opposition créent le FRD. Plusieurs partis politiques et mouvements de l'opposition en synergie d'action. À travers le Front pour la restauration de la démocratie FRD, mis en place hier, mercredi 13 janvier 2021, au siège du parti Les Démocrates à Cotonou, et ce, à l'issue de la signature d'un protocole d'accord, les personnalités, responsables et figures de premier plan de ce nouveau creuset de l'opposition au régime de Patrice Talon, entendent resserrer davantage les rangs pour reconquérir la démocratie et restaurer l'état de droit. Lisez la suite de cette information en page 3. En fausse manchette haut, candidature de cafouillage au sein des FCBE. Docteur Fataye Adeyemi prévient. En fausse manchette bas, MECPD, MEF, MASM, un webinaire sur la réponse sociale à la crise sanitaire en Afrique. Le ministère d'État chargé du plan et du développement, le ministère de l'économie et des finances et le ministère des affaires sociales et de la microfinance au Bénin, en partenariat avec la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, CIF, organisent les 14 et 15 janvier 2021 un webinaire international sur la réponse sociale à la crise sanitaire en Afrique. Cet atelier international virtuel de partage d'expériences à laquelle prendra part les États africains et des représentants des organisations internationales regroupera plusieurs acteurs au plan national et international et se déroulera sur une plateforme virtuelle entre 14h et 16h30 GMT. À l'oreillette, protection des droits des albinos, travailleurs de sexe. Amnesty met en place une base de données. Vision résolument optimiste de Talon. Gani Ousoglo s'inscrit en faux. Il fait le bilan de la rupture. Rapport 2020 sur les violences à l'encontre des enfants. Kids, des recommandations mondiales. TPI de Cotonou. Pour trafic d'ivoire, 83 millions francs CFA d'amende pour 3 prévenus. L'information est à lire en page 7 du quotidien Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à 7h à Cotonou et à Parakou. Bonne suite des programmes sur Guerito TV Monde.